destroy some weapons. Of course. Et Simon, qui était l'un des meilleurs films de 2020. Moi, je n'ai pas peur des mots et je le dis franchement, j'ai adoré. Donc c'est avant tout un hommage au 7e art et au Citizen Kane d'Orson Welles en particulier. David Fincher est un cinéphile devant l'éternel et ça se voit. Mank, c'est aussi Gary Oldman. L'acteur est absolument époustouflant dans ce rôle qui prouve une fois de plus qu'il est l'un des plus grands comédiens actuels. What is it the writer says? Tell the story you know. Il n'est pas indispensable de connaître Citizen Kane pour apprécier Mank. En revanche, je peux vous garantir qu'après avoir terminé le film de David Fincher, vous n'aurez qu'une envie, voir ou revoir le chef-d'œuvre d'Orson Welles.